Allez, comme promis, seconde vidéo, cette fois-ci pour vous présenter le LAT de la République des clones. Hier, on a vu la navette XI, hein, on a vu les possibilités, les interactions, on a pu découvrir toutes les cartes, hein, puisqu'elles sont... nous on les a vus, donc on s'est permis, on a levé l'autorisation à Dasmodé pour les montrer, donc on vous a montré toutes les cartes, et cette fois-ci, on passe à la canonnière des troopers. C'est parti. Et hop, on continue. Donc, après cette merveilleuse introduction... Non, allez, on va parler donc de la canonnière. La plus belle. C'est vrai. La figue en plus, c'est franchement bien, moi j'aime bien. Ouais, la figurine déjà, allez, puisqu'on tu veux commencer par ça, socle moyen aussi. Ouais, elle est belle, ouais. Bon, elle est... moi j'aime bien l'arrière de la navette. Hein, Non, parce que c'est ce que je vais voir le plus souvent quand je joue, donc je suis vachement attaché à l'arrière. Je fais des conneries. À l'arrière du vaisseau. Au niveau taille. Voilà, un petit peu boudiné, mais c'est cohérent. Hein, Non, je pense que... Voilà, on est sur des tailles qui sont... La taille, ça va. Bon, après, la seule question que je me pose, c'est qu'en fait, c'est plutôt un vaisseau qui est plutôt terrestre. Enfin, L'équivalent d'hélicoptère. C'est du air-sol, ouais. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je vois pas ce que ça vient foutre dans X-Wing, en fait. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, c'est vraiment cohérent. C'est-à-dire que normalement, c'est un vaisseau qui sert à quoi? À venir déposer des troupes sur un champ de bataille. Et à redécoller. Et puis, à la rigueur, à flinguer un peu. Mais est-ce qu'on a vraiment vu des batailles dans l'espace avec ces vaisseaux-là? Bon, après, ils ont l'arc dans la République qui est présent. Est-ce que c'est un complément de l'arc ou est-ce qu'on va voir qu'elle a vraiment des atouts? Ça, c'est toi qui vas nous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la barre de... C'est code. Code, allez. Eh ben, tiens, c'est parti. Donc, en attaque, un double arc à deux. Voilà, là, elle a la tourelle. Ah ouais. De deux côtés, ça c'est plutôt bien. Bon. À 2D, mais tu as quand même pas bien. Mal de. C'est bien, 2D. 2D pour une tourelle, c'est pas mal. Esquive 1. Bon, c'est plutôt normal. Hein. C'est... Par contre, on va se retrouver avec du 8 en coque et puis du 2 en bouclier. Ça nous fera quand même du 10 pour arriver au bout. Voilà. Ça peut tenir un peu la partie. Voilà. Après, tu as des chances de perdre la moitié des points à la fin de la partie. Enfin, en termes de calcul, ton adversaire a peut-être gagné la moitié de ses points, mais bon. D'accord. Ça reste costaud. Et puis, deux charges. Parce qu'on va voir que chaque canonnière, en fait, a un pouvoir du vaisseau qui est vraiment pas mal. Convergence des tirs, elle est super. Et donc là, on a deux charges à raison d'une recharge par tour. Hein, on est bien d'accord. Et après, dans sa barre d'action, bon, le classique concentration. Renforcement en rouge. On va pouvoir cibler, tourner bien sûr sa tourelle, et aussi recharger, parce qu'elle va avoir le droit au missile et au canon. D'accord, donc ça aussi c'est plutôt fluff. Ouais. Hein, d'accord. Par contre, on peut dire, elle aussi, elle a le même problème que la navette adverse, c'est qu'elle n'a pas de repositionnement. Autant dire qu'une fois que tu l'as déplacée, elle va s'en manger plein la tronche. Elle peut pas esquiver les arcs de tir des adversaires, tout ça. Ce qui est plutôt normal, mais elle n'a pas de tonneau, elle n'a rien du tout. Alors, effectivement, au niveau de la roue de déplacement, on a un truc assez dégueulasse, puisqu'il y a du bleu que en vitesse 1 et 2 en ligne droite. C'est dégueu. C'est les pilotes qui vont monter là-dedans, ils vont flipper, quoi. Ah oui, là c'est sûr que dès que vous allez vous stresser, ça va être la galère. Ouais, donc on va stresser pas mal dans le vaisseau, à vitesse 1 on va tout droit et puis on a un virage light, à vitesse 2 on va tout droit, un virage light, puis un virage quand même à 90 degrés. Voilà, en blanc. Qui est en blanc, donc ça va, il y aura quand même du repositionnement possible. Par contre, dès qu'on passe la vitesse 3, on pourra plus envisager de se retourner de façon efficace, puisqu'on n'a plus ce virage-là. Même si on l'a, on stresse. Autant pour moi. Et vitesse 4, c'est tout droit, en stress. Et à vitesse 0, c'est stand-by, mais en stress aussi. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de valeurs de stress. Ça fait surtout trop de valeurs de stress pour pas assez de valeurs bleues. Voilà. Claire.
C'est sûr qu'une fois que vous allez vous stresser, votre adversaire, il va savoir c'est quoi le prochain mouvement. Ou alors tu joues sur le stress. Quoi. Est-ce qu'il y aura peut-être la possibilité d'avoir des combos avec des vaisseaux qui t'enlèvent le stress parce qu'ils sont potes avec toi, du genre Atsuka ou je sais pas quoi? Oui, possible dans mes souvenirs. Oui, je crois que tu peux aussi. Mais bon, après, c'est vachement un vaisseau de soutien aussi. Donc, quitte à se stresser, tu restes stressé, puis tu vas plutôt aider tes copains. Quoi. D'accord. Allez, on regarde la carte pilote du 212e bataillon avec une initiative de 2. Et donc, avec la présentation de cette convergence des tirs qui sera présente sur toutes les cartes. Ouais, tous les châssis. Hein. Vas-y. Donc, c'est tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque non tourelle. Donc ça va pas comboter avec les autres canonnières. Donc c'est pour ça que moi je pense que d'avoir une seule canonnière suffit. Ça suffit, ouais. Tu peux pas comboter les uns avec les autres. Si le défenseur est dans votre arc de tourelle, sachant que donc t'en as deux, donc tu couvres quand même pas mal, vous pouvez dépenser donc une charge. Dans ce cas, l'attaquant relance jusqu'à 2 dés d'attaque. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. D'accord. Donc effectivement, c'est un beau soutien aux troupes qui sont autour. Maintenant, est-ce qu'elle sera toujours en cohésion avec, avec ses potes au bout du deuxième ou du troisième tour? J'en doute, quoi. Mais après, il faut juste que toi, tu as le défenseur dans ton arc. Ouais, mais bon, dans ton arc... Quelle que soit la portée. Ouais. Donc, c'est... non, c'est jouable. Ça va. C'est pas dans le bull-eye, c'est dans son arc. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, bon. Oui, donc en gros, elle arrive après le feu. C'est un peu le bordel là au milieu. Elle va pouvoir faire bénéficier de tout ce qui est présent de cette cette caractéristique là, quoi. En tout cas, pour deux pour de le ses nombre potes. De charges qu'elle va qu'elle va parce utiliser. Ils ont tous deux en charge. Et puis elle va recharger qu'une seule fois à la fin du tour. Donc ça, c'est à gérer, mais c'est connu. D'accord. Ok. Bon, pas mal. Ok, c'est intéressant, effectivement. Hund. Alors lui, il a comme pouvoir, après qu'un petit vaisseau allié dans votre tir de tourelle a gagné un marqueur de contrainte ou d'épuisement, si vous n'avez aucun marqueur de ce type, vous pouvez transférer ce marqueur sur vous-même. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est des petites situations, mais on verra qu'avec des cartes, on peut comboter un peu. D'accord, ok. Donc ça, on va se laisser de côté. Voilà, disons que... tout dépend du coup, et puis avec les petites cartes, moi je pense, ça peut être sympa. Ça. D'accord, donc tu as prévu des choses, voilà. On y revient. Allez, vas-y, sinon... Après, Warthog. Warthog, ouais. Alors lui, c'est après que vous avez un vaisseau allié non limité à portée 0-2 a été détruit lors de votre phase d'engagement, ce vaisseau n'est retiré qu'à la fin de cette phase. Pareil, lui, si son coût est pas trop onéreux, je vais dire c'est du tout bénef parce que ça a marché sur lui et sur tous ses copains. Ouais, et puis au dernier tour, ça évite de pas pouvoir jouer sa dernière activation parce qu'on a tout perdu, quoi. Donc, d'accord, ok. S'il est pas trop cher, ça peut être, peut être intéressant. Après, faut voir le coup. D'accord. Et enfin, on a le meilleur en termes d'initiative. Hawk, donc lui, c'est au début de la phase de dénouement. C'est après l'attaque, après tout ça. Chaque vaisseau allié à portée 0-1, dont la manœuvre révélée à une vitesse de 3 à 5, autant dire que c'est un peu que les chasseurs Jedi, quoi, peut gagner un marqueur de contrainte pour effectuer une action tonneau ou une accélération. Moi, je le vois juste, Hawk, il est au milieu, autour des vaisseaux Jedi. Ouais. Grâce à lui... ils vont se repositionner. Ouais. Et vu qu'après, s'ils ont une bonne initiative, ils vont jouer avant les autres. Ils vont faire une action bleue, enfin un déplacement bleu. Oui, évidemment. Donc ils vont enlever le jeton de contrainte. Est-ce que c'est des vaisseaux qui ont besoin d'avoir un tonneau ou un dash alors qu'ils l'ont presque déjà sur leur carte? Est-ce qu'ils seront toujours présents à ce moment-là à côté de Hawk? Le truc qui est chiant, c'est la portée qui est à 0-1. Ouais, faut les garder à côté de toi. C'est super dur. Comment tu vas garder à côté de toi un Jedi Fighter qui se déplace à vitesse 5, tu vois? Il y a beaucoup de situations, ça va pas être évident. Hein, c'est clair. Donc c'est pas le perso. Ça, c'est des cartes mal à la tête, c'est pas pour moi ça. Ça fait partie des pilotes, des fois où je me pose la question en fait, quel est l'intérêt de les avoir fait, parce que c'est tellement un casse-tête pour réussir à avoir le pouvoir
et que l'effet est sympa, mais pas non plus génial. Bon, bah parce voilà, que c'est la question, parce que le jeu mature, parce que le jeu est un des plus matures de la gamme Star Wars, et que maintenant au stade où ils en sont, quand ils veulent inventer une carte, bah ils t'inventent un truc hyper chadé, hyper dur à conditionner, parce que bah en face il y a des joueurs qui nous regardent qui sont très très bons et eux ça les choque pas quoi. Moi ça me met en PLS quoi. À la rigueur, bon, je sais pas pour le coup, mais peut-être que le simple pilote de 212e va peut-être être aussi bien, voire mieux, parce que D'accord. On verra quoi. Ok, alors tu nous proposes un combo entre Hund et Plo Koon. Voilà. Hund Plo Koon. Car faut pas oublier que Hund, lui, donc, il va pouvoir choper les marqueurs de contrainte et d'épuisement de ses potes. De ses potes, voilà. Ouais. Donc Plo Koon, lui, c'est au début de la phase de dénouement. Si vous êtes renforcé, attention, maintenant il donne renforcement. Violet. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, renforcement violet? Ça, c'est qu'on utilise un pion de force pour le faire. Voilà. Bon, coup de chance, Plo Koon, il a un point de force. Récupérable. Donc, au lieu de faire un renforcement rouge... Rouge, tu fais là. Génial. Voilà, blanc. T'as plus à te stresser donc pour le faire. Donc, tu te stresses plus, quoi. Ok. Et donc, si vous êtes renforcé, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0. Donc, tu fais partie de ça. Bah oui, t'es dedans. Ou qui est situé dans votre arc, côté droit ou côté gauche à portée 1. Ça, et ce vaisseau retire un marqueur d'épuisement. Donc tu peux te retirer ton marqueur d'épuisement, ou un de tes potes, ou de contrainte, ou même réparer une carte dégâts face visible. D'accord. Et là, vous pouvez... Ok. Donc, si de temps en temps, tu récupères, chope, bah, avec ton Plo Koon, tu le nettoies. Voilà. D'accord. Okay, c'est une lessiveuse, en fait. Voilà. C'est génial. Ça permet de compenser le fait que le vaisseau n'a que deux pauvres mouvements bleus. Quoi. D'accord, ok. Ok, je suis d'accord. Et après, là aussi, une autre. Avec Wolfpack. Voilà. Alors ça, c'est possible de la mettre en même temps, parce que je crois que la barre... La canonnière va avoir le droit à pas mal de... Qu'est-ce qui te dit ça? Parce qu'on ne le sait pas, ça. Et ça, c'est grâce à ces cartes-là. Ah, petit fut-fut. Parce que dans ces cartes-là, on voit certains pilotes qui ont... plusieurs petites choses. Oui. Hund, il a Ayala Sekura et Kit Fisto dans le même truc. Donc, ça veut dire que la canonnière va pouvoir avoir deux. Elle a un missile, elle a une canonnière androïde, une artillerie répressive et une coque améliorée. Ah, où t'as l'œil, toi? Non, j'ai regardé, j'ai essayé d'appliquer le truc. Quoi. Donc, ça va permettre, je pense, de mettre plusieurs choses. Okay. Bon, attention, hein, moi dans X-Wing, je suis partisan de mettre quand même pas trop de cartes. Ouais, je sais, pour éviter que les vaisseaux deviennent des sacs à points. Après, c'est toujours le problème, c'est combien vont coûter ces personnages. Donc Wolfpack avec Hund. Alors le E, c'est un peu spécial parce qu'il faut et une place. Ouais, les deux slots, on a vu que c'était possible dans la configuration Hund. Et lui, c'est après qu'un vaisseau allié à portée 0-3 a défendu, si l'attaquant est dans votre arc de tir. Le défenseur peut gagner un marqueur de contrainte pour verrouiller l'attaquant. Donc d'accord. On est toujours dans la même. Lui, il peut toujours choper donc le marqueur de contrainte que son pote vient de prendre pour verrouiller l'attaquant. Quoi. Ouais, c'est pratique. Donc là, on est toujours dans une canonnière qui est vraiment là pour soutenir ses potes. Qui est vraiment là pour ça. Ouais. Bon, on est dans un appareil de soutien, donc c'est vraiment cohérent. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter sur ce vaisseau? Oui, plein de choses même. Il a d'autres cartes, elle a aussi d'autres cartes qui sont sympas pour d'autres vaisseaux aussi. D'accord. Donc, l'artilleur répressif. Ça, c'est pas une carte qui est liée à la République. Alors qu'on a un beau dessin de la République dessus, mais voilà. D'accord. Qui détruit du beau B1. C'est du un petit dédicace aux joueurs B1. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat concentration. Ouais. Dans ce cas, le défenseur gagne un marqueur d'épuisement, sauf s'il choisit de subir un dégât. Ouais. Alors ça, c'est pareil, ça peut être... Soit la peste, soit le choléra, c'est ça? Voilà. Puis ça peut être bien utile aussi pour des vaisseaux comme le Ghost, qui a une grosse puissance de feu. Il lance quand même 4D, quoi. Donc tu vas lancer tes dés, puis tu vas peut-être être prêt à sacrifier un de tes résultats... concentration pour donner à ton adversaire le choix. Quoi. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le gars en face, il n'aura pas toujours intérêt à prendre l'épuisement? Après, l'épuisement, ça fait qu'il va tirer avec un dé en moins. Donc, pour le Ghost, vu que le Ghost se défend pas, il a 0 en défense, moins de tirs il se prend, plus
de temps il va rester en jeu, donc plus ces 4 dés vont faire du dégât. Quoi. Donc le gars, donc il y a un petit côté la touche plutôt que l'épuisement, d'accord, ok. Peut-être. Ça lui donne le choix. Quoi. Intéressant. Alors cette carte aussi est intéressante avec le Decimator. Mm-hmm. Aussi le gros balèze impérial. Très moche, oui. Voilà, qui a un peu le même problème que le gosse. Il sait pas se défendre, donc tous les tirs qu'il se prend, il va se les manger. Mm-hmm. Donc ça peut lui permettre aussi d'être un peu palliatif. D'accord, ok, merci pour l'info. Après, on a le tir saturé. Ouais. Qu'on a déjà parlé, mais on va en reparler. Donc là, aussi. Vaisseau petit et moyen. Voilà, donc tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bullseye, vous pouvez dépenser un résultat dégâts ou changer un résultat dégâts critique en dégâts. Donc ça, on l'a vu hier dans notre vidéo sur la navette. Mais dans ce cas, donc le défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Donc, c'est pareil, moi je... T'aimes bien. Bien, ouais, si sur des petites initiatives pour essayer de mettre encore plus de dégâts à un vaisseau déjà endommagé. D'accord. Ça peut être pas mal. D'accord, ok. Ah, le Rex. Il est là, le Rex. Ouais, mais on va déjanter parce que je le trouve pas terrible, le Rex. C'est vrai. Malheureusement, ils l'ont, je trouve, un peu foiré. D'accord. Lui, c'est tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat concentration. Dans ce cas, chaque vaisseau allié qui a le défenseur dans son bullseye peut gagner un marqueur de contrainte pour effectuer une action concentration. Il n'y a pas de notion de distance. Oui. Il y a juste le bullseye. Disons qu'on le met dans la canonnière. Tu vas donc dépenser un de tes résultats concentration, donc de tes 2 dés. Ouais. Autant dire que ton attaque est éliminable. Ouais. Donc elle dégage. Ouais. Là, ça permet à tes autres spots qui ont le défenseur dans ton bullseye, dans leur bullseye, donc ça rétrécit, ouais, de gagner un marqueur de contrainte, donc ils vont baisser en défense, ouais, pour avoir le droit de faire une action concentration. Ouais. Bon, c'est vachement. Ouais, ça y est, tu vois, ça y est, je suis plus fan. Voilà. C'est... Donc là, beaucoup de choses qui sont contraignantes pour un résultat. Bon, c'est vrai, par contre, une action de concentration, c'est pas négligeable, mais bon. Vu que tu t'enlèves quand même de la défense, et vu que tu vas jouer quand même assez souvent avec des vaisseaux comme les chasseurs Jedi, ils sont un peu là pour éviter de se faire ploper en un tir, parce qu'ils ont un peu la maladie de peu de coque, tout ça, c'est un peu risqué, je trouve. D'accord, ok. Après, on a un nacelle multimissile, waouh! Ça, j'aime bien, ça, c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc un arc avant intégral, voilà, avec 2 dés. Un 2 de portée et puis 5 charges. Donc ça, on la verra plus tard, mais elle est aussi dans la canonnière droïde. Donc elle est utile aussi bien pour les droïdes que pour les. Donc les c'est sur classiques. Du calcul ou du ciblage. Voilà. On dépense. D'ailleurs, elle n'est pas nommée, enfin, elle n'est pas classée. Elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde, d'accord. Donc, on dépense une de ces charges, quand même, on a 5. Donc, si le défenseur est dans votre arc de tir classique, vous pouvez dépenser une charge en plus. Donc, tu passes à 3 charges pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ah ouais. Donc, tu passes à 3 dés. Ah ouais. Et si le défenseur est dans votre bullseye, tu peux dépenser jusqu'à 2 pour lancer autant de dés supplémentaires à la place. Donc, potentiellement, tu peux aller à 4 dés. Ah ouais, mais là, tu rates plus, là. Bah là, tu je t'envoies capable, mais normalement tu rates voilà, plus. Tu... Mais en sachant que tu peux relancer. Parce que ça, tu ne dépenses pas. Eh oui, parce que tu as le ciblage. Voilà. Et ça, moi je l'aime bien aussi avec. Avec la petite droïde sonde qu'on a vue tout à l'heure, là. Le petit truc pour celle qu'on a vue hier. Le petit droïde sonde qui fait le ciblage automatique. Ah oui, mais attention par contre. Il faut. Ouais. Deux places. Ah ouais. Et ça réduit quand même parce qu'on n'en a pas énormément de vaisseaux. Ouais, là, je dis de la merde. Ouais. Tu es trop gourmand. Le mec, oui, ça l'a fait. Et par contre, moi, tu vois, moi je la mettrais sur un majeur Rimmer. Parce que le majeur Rimmer impérial, à tes souhaits, lui, il augmente en fait la portée. D'accord. Ou il réduit la portée de 1. Donc en fait, lui, il peut l'utiliser. À 3. Jusqu'à 3. Ça fait loin. Ça fait loin. Ça fait mais vraiment si sympa, tu quoi. Payes vraiment ce qu'il faut payer, t'es sûr voilà. De gagner donc un coup. Donc à 3D. À 4 dés d'attaque, et en plus, bah, l'autre ne peut pas avoir le dé de bonus de défense vu que c'est un missile. Ouais. Ouais, tu peux envoyer une belle charge. Ça fait une belle charge, ouais. Donc ça, c'est sympa. Putain, celle-là, tu la lances, tu la rates.
Bah, t'es un peu deg, mais bon. Il te faut le fameux rack qui permet de pas. Tu sais, t'as une carte de rack ça là. Ou si tu rates, tu peux. Moi, celle-là, je la mets tout le temps maintenant. Genre, c'est la carte magique. C'est genre, j'ai raté. Non, mais j'ai pas raté. Et donc, oui, moi, je la mettrais bien sur Rimmer et sur Redline aussi. D'accord, ok. Parce que pareil, Redline, lui, il permet d'avoir deux ciblages. C'est quoi Rimmer et Redline? Parce que moi, je connais pas tout. Rimmer, c'est avec les bombardietti. Ouais, bombardier taille, ok. Il permet donc d'augmenter la taille de ses attaques. Okay. Et Redline, lui, c'est dans le petit. Comment il s'appelle? Le bombardier T, mais qui a pris des stéroïdes. Là, celui qui en a plein. Je ne l'ai pas pris tellement il est laid. Ah, bon. Il se relais. C'est comme le LK. Moi, je ne peux pas ces trucs-là. Redline, ce qui est bien, c'est que lui, c'est qu'une fois qu'il a fait une action, il peut loquer un adversaire. Et il peut en loquer deux. D'accord. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir un peu tirer en plus. Ouais, mais de toute façon, c'est pas beau. Donc, non. Donc, pour ces deux chasseurs, moi, je l'aime bien. Ok. Après, on passe à la compagnie fantôme. Il y a beaucoup de fantômes dans Star Wars. T'as les gosses, t'as les fantômes, t'as le... C'est les Américains, tu sais. Voilà, Ghost Recon. Ils aiment. Là, c'est par contre République en République. Ouais. Et pour ceux qui ont déjà une capacité de recharge. De tourelle. De tourelle, excuse-moi. Pour déplacer sa tourelle. Déjà, ça nous donne tourelle blanche plus concentration rouge. Ça, c'est jumelé. Sympa. Okay. Et donc, ça peut être pratique pour notre chère et tendre canonnière qui a aucune double action. Quoi. Et après. Lui, ça permet, après avoir effectué une attaque principale, si vous êtes concentré, ce qui est en général le cas, ce qui n'est pas mon cas en jeu, vous pouvez effectuer une attaque... une nouvelle attaque, donc de tourelle en tant qu'attaque bonus contre un vaisseau que vous n'avez pas attaqué à ce coup. Ah, donc j'ai choisi une autre cible, mais je peux quand même tirer. Voilà, tu peux. Ok. Ça peut être sympa quand même sur la canonnière qui a un double. D'accord. Qui a une double tourelle et ça marche aussi sur. Donc ça marche un peu sur War Dogs dans le sens que même. Détruit, bah tu vas pouvoir faire ces deux attaques. Ouais. C'est toujours pas ah fait. oui, exact. Voilà, pour un peu optimiser quoi. Et tu vas aussi pouvoir l'utiliser sur R2 qui pilote son Y-Wing. Tu lui mets une tourelle. Ouais. Et une fois que nos braves R2 il va tirer avec ses canons jumelés de Y-Wing, bah, il va pouvoir tirer avec sa tourelle que tu lui aimes. Ah d'accord. Ah bah voilà, des petits combos sympas. Des petits. Merci. Il faut voir le coup, mais ça peut être... Ça peut être sympa. Alias Secura. Une force qui se recharge. Voilà. Une double action, concentration et coordination force. Force. Alors moi, j'avoue que je préfère ça que le texte. Ah ouais. J'avoue que ça, c'est pareil. Pour la canonnière, c'est top. Ça lui permet de faire deux actions, quoi. Tant qu'un vaisseau dans votre bullseye effectue une attaque, si le défenseur est allié et à portée 0-2, ce dernier peut changer un résultat vierge en un résultat concentration. C'est intéressant. Ouais, mais bon, c'est vachement situationnel quand même. C'est très situationnel. Voilà, tant qu'un vaisseau ennemi dans votre bullseye... Ouais, avec ça, c'est galère. Voilà, effectue une attaque, si le défenseur est allié et à portée 0-2, dernier peut changer un résultat vierge. Bon. Côté République, j'ai quoi d'autre comme vaisseau qui est capable d'embarquer Secura? Comme ça, là. Coupé, là. Je réfléchis. Elle n'en a pas. Tu as les arcs. L'arc dans l'arc, elle peut monter. Tu peux monter. Ah bah, tu vois, on va pas couper alors. D'accord. Oui, dans l'arc et avec R2 aussi. Voilà. Dans un arc, elle sera mieux que dans une canonnière, à mon avis. L'arc, pareil, je sais pas trop. Pas beaucoup plus, mais il y a un peu plus quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Mais bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ouais. Tu nous rappelles ce que c'est que la coordination, s'il te plaît? Parce que moi, je suis un peu moisi. À portée 0 et 1, tu vas pouvoir redonner en fait une action à un de tes copains. C'est ça, tu files une action à un pote. C'est top. Donc, ça te permet de te faire une action à toi, une concentration, jamais négligeable, et donc de donner une action à un de tes potes. D'accord. Après, on passe à. Kit Fisto. Personnage pas assez utilisé, je trouve, dans les films.
J'aurais aimé qu'on le voit plus, moi. Je trouvais super badass. Alors, on le voit pas mal dans, plus dans Clos Noir. Oui, on le voit plus dans Clos Noir. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que dans les films, bah, il se fait vite déchirer. Ouais, puis dans les dessins, dans Clos Noir, il est un peu baba cool, gentil. Pour l'instant. C'est les Jedi, hein, ils sont tous baba cool. Donc lui, il te donne les skis. Pieds nus, quoi. Lui, il est pieds nus, en plus. Ouais, il est pieds nus. Et il torse poil. Donc lui, il torse donne. Torse poil, c'est la prochaine étape, mec. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0-1 et dépenser un point de force. Ça tombe bien, il y en a un. Voilà. Dans ce cas, il peut effectuer une action d'évasion. Voilà. Pas mal. Voilà. Alors là, ce qui est pas mal, c'est disons, c'est au début de la phase d'engagement. Donc, t'as un de tes potes qui a déjà fait ses actions. Ouais. Et avant de tirer, bah, il va pouvoir se stresser et prendre aussi un petit jeton. Donc, ouais. Au tour d'après, il faut penser à lui faire une manœuvre bleue pour qu'il se déstresse. Donc, il peut être sympa s'il est entouré par des vaisseaux, bah, comme les chasseurs Jedi, de toute façon. Ouais, mais bon, ça peut être le « Ah, je vais mourir !» Voilà. Ouais. Mais non. Donc, ça... faut voir le coût de la carte. Le pouvoir n'est pas transcendant, mais si en même temps, le coût de la carte n'est pas extrêmement cher, ouais, ça peut être sympa. Si ça te sauve un vaisseau qui coûte cher en fin de partie, t'es content de l'avoir utilisé, quoi. Hein. Après, ça donne aussi... Invasion à la canonnière avec en utilisant de la force. Bon, moi je trouve pas ça génial, mais j'avoue que cette action, je la trouve. Ah, si t'as fait ta canonnière comme un porc et que tu risques de la perdre, vaut mieux utiliser la force pour faire une petite évasion plutôt que d'exploser dans le ciel, quoi. Ouais, mais moi je vais pas trop la. Tu vas pas l'exploser. Hein. Voilà, donc moi ça me gêne pas trop. Je sens que quand on va la jouer, je vais m'en prendre plein la gueule avec ce truc. Qui t'a dit que c'est toi qui allais les jouer? On se garde le truc le vert. Plus connu pour la fin, le petit truc vert. On regarde le fond vert pour après. On va passer par Five. Five, alors, après que vous avez effectué une attaque ratée, c'est pareil, en général, on ne veut pas rater les attaques. Il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Si l'initiative du défenseur est supérieure ou égale à votre initiative, donc autant, il faut que tu la joues avec des vaisseaux qui ont une très basse initiative, sinon ça ne sert à rien. Placez un marqueur d'évasion ou de concentration sur cette carte. Mmh. Avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de cette carte pour gagner un marqueur correspondant. D'accord, ok. Bon, c'est pas passage. Non, moi ça me rend pas. C'est de la merde. Il faut rater l'attaque, quoi. Parce qu'on n'a jamais envie de rater l'attaque, quoi. Donc, non, mais il y a des gars qui arrivent souvent. Hein. C'est vrai. Je vois pas qui, mais... Après, c'est vrai qu'en la mettant sur donc une canonnière à très basse initiative, tu mets 5 et tu mets aussi... Je crée quelque chose en direct live. Vas-y là, vas-y crée, vas-y. Mais, et tu mets où il est avec une compagnie fantôme. Ouais. Là, par contre, ça sera au prochain tour que tu gagneras le marqueur. Donc là, tu mets 5 et une compagnie fantôme, et tu rates, quoi. Ouais. Après avoir fait une attaque principale, si vous êtes concentré, tu peux en refaire une. Bon, ça compense. Tu as raté une attaque, tu vas gagner un jeton concentration. Bon, c'est pas optimum, ça peut compenser un peu. Tu es peut-être moins deck d'avoir raté l'attaque, vu que tu ne peux en avoir une. Je pense que t'es froid. Quand on jouera, tu vas nous sortir un truc plus chalet que ça. En tout cas, n'hésitez pas, comme vous l'avez fait dans la vidéo d'hier, à nous balancer vos idées de combos. On prend, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, dis un fond vert. Non, un petit Yoda. Yoda, 2 en force, voilà. Rechargeable et coordination de la force. Oui. République uniquement. C'est bizarre, j'aurais bien vu en tant qu'impérial, mais... Ouais, parfois. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 0-2 a entièrement exécuté une manœuvre violette, donc, ou effectué une action violette, autant dire que c'est, en général, pour ceux qui ont la force, hein, vous pouvez dépenser une force, donc il en a deux. Dans ce cas, cet autre vaisseau allié récupère un jeton de force. Vas-y, balance les deltas autour de... Donc voilà, lui c'est... Carrément. Franchement, tu mets ta canonnière et tout autour, C'est un puits à force, quoi. C'est un puits à force. Hein. Ouais. D'accord. Tu joues que avec des pilotes de force et c'est bon. Donc lui, il peut être franchement très bien. Pareil, il faut voir son coût. C'est toujours la grande interrogation. Voilà, on s'excuse, on est content de pouvoir vous présenter les vaisseaux un petit peu en avance de face, parce que c'est assez rare, même si on travaille avec Asmodée pour que ce soit de plus en plus le cas.
Mais, et puis j'imagine qu'avec leur nouvelle politique de vente, ce sera de plus en plus le cas. Mais là, pour le coup, bah, on n'a pas les points. Ouais. On n'a pas les points. Mais voilà, vous pourrez au final statuer sur ce qu'on vient de vous dire quand vous les aurez. Et puis nous, on y reviendra quand on les aura, puisque grâce à notre nouveau setup à l'éclat, on va pouvoir refaire des parties. Et d'ailleurs, j'en passe un petit merci à qui commence, qui nous a envoyé un super tapis pour faire des batailles dans l'espace. Il est beau. Donc on va s'amuser. Mmh. Ok, c'est tout pour cette canonnière, c'est pas mal déjà. Voilà, là on a juste présenté les cartes vraiment uniques à la canonnière. Sinon, on avait d'autres, mais qu'on connaît déjà. On revient pas sur ce qui a déjà été présenté. Et puis, il y a Random Academy Pilote qui travaille très, 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 très bien et qui nous a déjà présenté déjà ce qu'on vous présente mieux. Tu travailles bien, hein, mais je veux dire, moi, je suis pas pertinent. Mais lui, il est très pertinent. En tout cas, tous les deux, vous l'êtes pas mal. Et puis surtout, il a déjà, lui aussi, dans ses articles, présenté les cartes en question qu'on a décidé de sweeper. Merci Kevin. Un petit mot de la fin pour cette canonnière. En trois mots, canonnière. Bah, sympa, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Ok. C'est quand même une bonne idée au-delà de la figurine. Voilà. Qui est vraiment très belle. Non, ça peut être un beau vaisseau de soutien. Moi, pour conclure, je vous rappelle que à la fin de la vidéo de demain, on parle de cette boîte-là pour la gagner. Mmh. Donc, soyez fidèles. Rendez-vous demain pour voir la canonnière droïde. Et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux. Et puis plein de bons jets. Puis avec les cartes qu'on a vues là, il y a moyen de relancer comme un porc. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour poutrer le type d'en face. Kevin, merci. À demain. Ciao. Salut.